Voici un villageois, c'est jeune de nous. Vous voyez comment vous ridiculisez les Camerounais? Vous donnez la honte aux Camerounais, c'est jeune de nous. C'est jeune de nous, ça c'est un masque pour sport, training mask. C'est toi, vous êtes tellement villageois. Allez, voyagez un peu, non? Il y a même certains benguis, mais beaucoup là, c'est ceux qui n'ont jamais même été au Gabon. Training mask, regarde bien. C'est trop bien, c'est vous qui vous ridiculisez. Quand on voit une personne comme moi là, un gars comme moi qui a fait le tour du monde. Ça c'est un masque ordinaire. Ça c'est un masque ordinaire, c'est jeune de nous. Efface ton commentaire, villageois. C'est un training mask. Training mask, un masque de sport. Le direct de ce matin, on va prendre l'exemple sur notre frère journaliste de sport. Voilà. Comment ton succès peut être détruit? Le succès détruit. Plus que notre échec même. Souvent, ton échec là, quand tu n'arrives pas à arriver au sommet, tu es dans ta position, tu n'as pas de problème. Jusqu'à ce que tu es dans le succès. Le succès, c'est quelque chose quand tu es dedans là. Tu t'amuses, tu perds ta vie. Donc, nous allons un peu danser ce matin. Voilà, il faut se relaxer. J'ai tenté de faire le sport. Voilà. Mais on n'est pas venu à Facebook apprendre à vivre. Hein. Je suis un gars de Mbanga. C'est-à-dire que je connais aller à la friperie, je cherche les habits. Donc il y a des choses qu'on a mis de côté parce qu'on ne veut pas montrer sur la Facebook. Tu as compris, non? Donc pour te dire que quoi? Un gars comme moi, quand je fais ma chose, soit tu observes, tu regardes, tu te tais, soit ne me critique pas. Je ne connais pas tout, mais c'est que je suis que mon ami, j'ai marché. Je ne suis pas né Kala Mbanga. Je ne suis pas né quitter Mbanga, venir m'asseoir à Douala ou bien Yaoundé. Je suis né, j'ai tout vu au Cameroun avant de porter mon sac au dos parti. Ça veut dire que quand je fais ma chose, tu observes. Prends ça comme un modèle pour toi, petit idiot. Tu portes le masque. Ça, c'est un masque ordinaire. Ça, c'est un masque chirurgical. Mbotman. Donc, voilà. Quand Mbanga Diaspora fait sa chose, en tant que gars de Mbanga, refais-toi à la purée de Mbanga. Est-ce que la purée était un Mbotman? Est-ce que la purée était un Mbotman? La purée était un boy. Voilà. Autant quand le Cameroun était encore dans le noir, c'est pas dire que Facebook est venu donner la visibilité quand tu veux faire quelque chose. On t'a découvert, on a su ce que tu as fait. Non. La Piro a choqué le système quand le Camou était encore dans le noir, le seul artiste de son temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu vois un gars de Mbanga, hein? Quand tu vois un gars de Mbanga parler, tu te calmes. Donc voilà. Nous allons parler aujourd'hui quand ton succès peut te détruire. Le succès détruit beaucoup de personnes. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens sont seulement là à la recherche du bonheur, du succès. Non, je veux quitter de la souffrance. Nanani, nanana. Mon frère, ma soeur, le succès attire plus d'ennemis. Voilà ce qui arrive à notre journaliste. Partagez le direct, c'est important. Partagez le direct. Parce que ça peut t'arriver toi-même dans ta vie. Voilà le fait qu'on soit des familles pauvres et qu'on ait un peu de succès, on passe à accrocher aux enfants des bobos. Les gens pensent que les enfants des riches sont tellement bien élevés. Non. Les enfants des riches ne sont pas bien élevés. Les enfants des riches ne sont pas bien élevés. L'exemple a montré. Voilà l'héritier de Foto Vitor. Le jour qu'il arrive au Cameroun, les âmes sont sorties. Parce que leur manière de voir le monde n'est pas comme ta part. Parce que toi, tu sors de la précarité. Toi, c'est effort personnel. Mais voilà comment un gars se bat dans la vie. Il a du talent. Il était brave à l'école. Il connaît bien son sujet. Voilà. Il connaît bien ses sujets, mais le problème c'est que demain, il passe engouffré dans les problèmes parce qu'il commence à marcher les enfants des riches. Voilà notre frère journaliste. D'abord, vois un gars comme celui-là. D'abord, vois un gars comme celui-là. Hey, Jean de Makoun. Non. D'abord, un gars qui sort d'abord. D'abord, un gars comme Martin. Physiquement d'abord. Il est d'abord rejeté par la société, par certaines personnes. Pas par moi. Et puis le voilà qui se bat. Vous allez voir que c'est un garçon qui était brave à l'école. Il est brave à l'école. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Oh. Voilà. Donc voilà. Viens te présenter. Voici mon petit frère. Même. Voilà. Il nous vient de Paris. C'est Bordeaux. Hein? Bordeaux, voilà, il ouvrit, c'est un chef d'entreprise, il est venu ouvrir son entreprise au Cameroun. Donc pour tous ceux qui ont besoin de faire des sauts, n'hésitez pas à le contacter, voilà. Donc contactez-moi et puis je vais vous mettre en contact. Il est venu ouvrir sa quincaillerie au Cameroun, voilà. Donc n'hésitez pas. Donc, on va commencer comment? Merci. Voilà. Donc voilà,
Voilà un gars qui était brave à l'école. Voilà. Ça concerne beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent que même Banga Diaspora, pourquoi tu es toujours seul, Banga Diaspora? Non. Mon meilleur ami de l'enfance, c'est l'enfant du premier riche de Mbanga. Mon meilleur ami d'enfance, c'est l'enfant du premier riche de Mbanga. Pour ceux qui connaissent, il n'y a personne qui avait l'argent comme lui en Mbanga. C'est le gars qui venait à l'école avec la Crésida à l'époque. Avec la Crésida. Mais par rapport à leur comportement, mon meilleur ami, moi je l'ai fui. Je suis l'enfant d'un pauvre, mon frère. Je suis l'enfant d'un pauvre. Je ne veux pas les problèmes. Mon père ne m'a rien laissé. Mon père ne m'a rien laissé. On peut sympathiser, bonjour, bonsoir. Je te fuis pourquoi? Pas parce que je suis devenu hautain ou bien imbu de ma personne ou bien parce que j'ai... Non, mon frère. Toi, ton père, t'as laissé la maison jusqu'à laisser encore le bonus d'autres maisons où tu peux prendre la location. Moi, je n'ai rien. Le peu que j'ai là, c'est effort personnel. Toi, tu peux déjà aller épouser une femme. Tu sais où tu vas habiter ta femme. Tu sais où tu vas habiter tes enfants. Moi, je n'ai moi rien. C'est ce que notre journaliste n'a pas compris. Et vous qui ne comprenez pas, ça c'est un niveau élevé, c'est même spirituel ce qui arrive à ce journaliste-là. Dieu est en train de passer par lui pour démanteler un groupe, un gang. Les gens vont vouloir trop tirer sur lui, non. Si c'est moi là, c'est moi à la place des autorités. Je vais te traquer tous ceux qui sont derrière ce journaliste. Lui non, je dois le protéger. Il doit le protéger. Pas qu'on le protège pour le... Pour, non. Et on doit l'utiliser pour traquer tous ces gens qui sont derrière lui. Parce que je vois le peuple frapper trop sur lui. On ne parle que de l'image de tel. Voilà ceux qu'il faut traquer. Parce que ce sont ceux-là qui ont poussé notre frère à commettre cette erreur. Parce que vous allez voir ce genre de garçon-là. Parce que quoi? Il est abordable. Qu'est-ce qu'on fait? Il est comme un appât. On le cède à pas. Parce que il n'y a pas quelqu'un... Qu'un handicapé peut arriver devant lui pour causer avec cette personne-là. Et puis qu'on le rejette dès la première minute. Toujours, on veut écouter ce que l'handicapé dit. Donc les gens l'utilisent pour faire les sales besognes. Non, va voir tel. Ok. Parce que d'abord, il est brillant. Il faut le dire. C'est la seule chose qu'on peut refuser à quelqu'un. Malgré les erreurs de quelqu'un, même s'il commet une bêtise, il faut connaître sa place. Il faut connaître son talent. Sinon... Ne dis pas seulement que non, il est mal élevé, non, mais il faut aussi connaître qu'il est talentueux, non? Il est talentueux. Mais alors, voilà comment on dit, le succès des gens peuvent les détruire. Voilà le succès de notre frère qu'il a détruit. Pourquoi? Parce qu'il a oublié son passé. Il y a des gens que les parents ont tout laissé, comme celui dont on parle là. On dit qu'il est sa majesté, il est le fils de tel, ils ont l'hôtel à Yaoundé, ils ont les grands restaurants. Mais toi alors, tu es quoi? Tu es quoi? Par rapport à ton handicap, la nature t'a tout donné. Par rapport aux autres qui sont dans la rue. La nature t'a tout donné. Tu côtoies les grands. Tu côtoies les grands. Mais tu as oublié. Et que ça serve de leçon à certaines jeunes filles, à certains jeunes gars. Quand ils ont l'argent, ils viennent complexer des enfants des riches. Mon ami, tu ne me sers à rien. Je lui ai dit en Bangala. Mon meilleur ami, que tout le monde connaît, avec qui je marche parfois quand il n'est pas en Bangala. Mais je l'évite. Pourquoi? Parce que il risque de m'attirer dans les problèmes. Je connais, oui, c'est clair. Il risque de m'amener dans les problèmes. Et il faut parfois comprendre ça, sans être complexé. Mais il y a des gens, quand ils commencent à avoir le bonheur, ils abandonnent les amis de la rue pour aller rechercher les enfants des riches. Mon frère, ne pas on connaît les enfants de Koloko, tout ça, des Koloko Levis. Ils étaient à l'internat en Banga, non? Voilà la mobile. Je suis un gars de la mobile. Tous les enfants internes, là, ne pas on les voit ici à Douala Yaoundé. Même quand on a commencé à les voir, on les a vus dehors, non? Mon frère, laisse-les dans leur monde. C'est les gens que tu le vois aujourd'hui, n'a rien. Demain, on te dit qu'il a 100 millions. Devant tout le monde, long, on a partagé l'argent. Lui-même, là, ça passe 50 millions. Tu veux l'imiter? Tu veux marcher avec lui? Faites attention, les gars. Faites attention. C'est quelqu'un que depuis l'enfance, on achète tout pour lui. C'est quelqu'un que depuis l'enfance, il croit que tout est permis. Il oubliait que non. Son père payait à l'époque par rapport à ses dégâts parce qu'il était mineur. Il était mineur. Et voilà comment, quand tu en mangeais les dos, tu peux manger le genre de personnes là. Il avait l'habitude de faire des fausses choses depuis l'enfance. Et ses parents paient. Ses parents. Dis donc. Qui me signale, dis donc. Ses parents paient. Mais dans, comme toi, tu as les dos, tu dis que dans, moi, je vais marcher le fils de tel ministre. Je vais marcher avec tel. Je vais marcher avec tel. Et ce n'est pas aussi tous les gens qui ont le succès que ça provient de leurs efforts. Il y a des gens qui ont le succès.
qui ne sont pas comme toi. Peut-être tu es talentueux, tu as mérité ton talent, mais tu peux marcher avec les gens que le succès, ils ont seulement acheté. Ils ont usé d'autres manières, hein, nauséabondes, pour atteindre là où ils sont. Maintenant, comme ils sont en haut, si toi tu penses que non, on peut être à la même place, mais on n'a pas pris le même chemin pour atteindre là-bas, les gars. You have to be wise, bro. Non, 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 non. On peut être au même niveau, mais on n'a pas usé les mêmes manières. Vous allez comprendre ça quand? C'est un niveau spirituel. Dieu a tellement aimé notre frère journaliste qu'il a utilisé pour démanteler. Pourquoi il n'a pas pris que... Pourquoi il n'a pas choisi sur quelqu'un d'autre? Il a choisi que notre frère. Notre frère là. Voilà, notre frère. Donc c'est pour dire que quoi? C'est un peu comme le receleur et le voleur. En réalité, on doit condamner le voleur plus que le receleur. Pourquoi? Parce que tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Voilà un garçon qui avait sa vie. C'est bien beau. La société l'a tellement aidé, l'a accepté. Et puis l'a accueilli. Tous les Camerounais l'aimaient. Déjà, en voyant ce garçon dès la première fois, tu es obligé de l'aimer. Pourquoi? Par rapport à son handicap. Mais regardez aujourd'hui comment les gens le détestent. Mais sois intelligent, les gars. Ne détestons pas ce garçon beaucoup. C'est un peu comme à la maison, quand nous avons les enfants qui deviennent déjà têtus. On cherche à savoir qui rend mon enfant têtu. Ah, on dit que voilà l'ami qui rend mon enfant têtu. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te débarrasser de cet enfant-là. Monsieur, ne viens plus chez moi. Oui, ma chérie, depuis que tu marches avec ma fille, jusqu'à tu pas voir les parents. Et donc, nous devons aussi faire ce que tous ces gens qui sont derrière notre frère journaliste soient traqués, soient jugés et humiliés aussi. Humilié. Oui, c'est clair. Dans le succès, quand je dis aux gens que le succès, les gens disent non. Bêta, tu as la sagesse, l'intelligence, avant d'avoir le succès. Si tu as le succès et que tu ne connais pas toutes ces choses-là, tu n'as pas la sagesse, tu es moins en guerre. Ton succès va t'enfoncer. Mais oui, comme plusieurs artistes, tu vas voir quelqu'un a le succès aujourd'hui, demain on te dit qu'il a fait l'accident, il est mort. Pourquoi? Parce que il veut être à tous les concerts. Il veut être à toutes les invitations. Il ne fait pas de programme. À lui seul, il doit couvrir 2 événements par soirée. À lui seul, il doit couvrir 3 événements. Entre Douala, Yaoundé et Bolova. À lui seul. Demain, quand il m'a dit qu'il était entré dans la secte, non. Parce qu'il n'a pas su contrôler son succès. Le succès est dangereux. Le succès peut t'apporter, peut t'amener dans la tombe. Parce que le succès, tout le monde te regarde. Et tu veux toujours dire que non, c'est moi qui est là. Tu te transformes. Tu commences à t'accrocher aux faux amis. Aux faux amis. Au lieu de rentrer chez toi, trouver ta femme. La polygamie n'est pas interdite. Que de faire les fausses pratiques, mais attendez mon frère, nous sommes en Afrique, non? La polygamie n'est pas interdite. Est-ce que la loi camerounaise interdit un homme d'épouser 3 femmes? Ou bien 2 femmes? Ou bien 10 femmes? Mais c'est clair. Mais que d'avoir le succès et commencer à faire des pratiques bizarres là. Mon ami, Beta, je reste pauvre. Ah oui, Beta, je reste pauvre. Pourquoi? Parce que le jour que tu as le succès, tout le monde te connaît. Tout le monde te voit, tout le monde t'écoute. Ça veut dire que moins de pépins, le succès là descend comme ça là. Quand on dit ton succès là descend sur toi-même. S'il n'était pas... Vous avez vu, regardez, on parle tellement de lui, on oublie l'autre qui est à côté de lui. Alors que l'autre qui est à côté de lui est sa majesté. Est le fils d'un milliardaire. Voilà, est le fils d'un milliardaire. Mais on ne parle pas trop de lui. Mais on parle trop de celui-là qu'on a tellement élevé, aimé et on a élevé. On a tellement aimé notre frère journaliste jusqu'à... On l'a élevé. Donc je m'adresse à certains frères, aux jeunes. Moi, je ne mélange rien ici. Je suis en train de dire mes pensées à moi. Mes esprits m'ont dit parle ce matin. Et je parle. Et je vous ai toujours dit, j'ai fait mes dettes. C'est pour amener... C'est pour évoluer. C'est pas pour stagner là. Voilà, c'est pour acquérir la connaissance. Moi, je ne considère pas un problème comme un sujet de moquerie ou bien pour prendre... pour. Non, non, non. Je prends ça, je développe à ma manière. Le succès. Regardez, il y a des gens qui prennent tout ce qui est important, comme la blague. Je prends un exemple. Voilà Steve Farr qui passe souvent une femme là comme une comédienne. Chaque temps. Eh, mamie, chaque temps. Qui connaissait que c'est une histoire vraie? C'est l'autre jour que j'ai vu ça sur la page de Zumanto. Donc c'est une histoire vraie. Hein, chérie, chaque temps. Mais la femme là, c'est une femme qui a été bastonnée. Elle est devant les micros de la CRTV. Son mari là a battu sur elle, poignardé même. Mais voilà un monsieur qui prend pour faire la comédie. Il fait donc une blague avec la vie des gens. Non, je ne vais pas me distraire. Donc mon frère, ne tue plus la vidéo, vraiment. Ne tue plus la vidéo de la femme là. Normalement, elle doit même te porter plainte.
Comment tu prends la souffrance de quelqu'un pour amuser les gens? Je vous ai tout dit, voilà, les mauvais illuminés. Voilà, parce qu'il y a les bons illuminés, il y a les mauvais illuminés. Les mauvais illuminés, c'est ceux-là qui prennent, qui blaguent avec ta souffrance, qui vivent de ta souffrance, de ton sang. Ils prennent, ils mangent, ils s'en foutent. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être en train de mourir. Tu prends ça pour faire, pour mettre comme des parties de buzz. Jusqu'à nous tous. Tu vois, voilà la sorcellerie en pleine journée. Voilà comment un monsieur comme Steve prend les Camerounais. Et qu'il amène dans la dérive totale. Les gens vont seulement parler de ce monsieur. Mais voilà les autres hommes dangereux. Tu prends la souffrance de quelqu'un. Tu fais passer ça chaque temps dans tes histoires. Non, chérie, chaque temps. Mais c'est une histoire vraie. Une femme qui a été poignardée. Ce qu'on a emmené à l'hôpital. Et c'est le micro de la CRTV. Mais le gars a transformé ça, les Camerounais rient. Mais oui, regardez. Nous tous sommes servis au diable, mais sans connaître. Regardez. Voilà les serviteurs de diable, ils sont parmi nous. Ah oui, ils sont parmi nous. Et nos enfants sont en danger. Et nous, on rit chaque temps nous-mêmes. S'il vous plaît, apprenez à être... Je ne sais pas. Sois attentif. Ça ne va plus. Non, les gars, ça ne va plus, franchement. Donc, je disais ceci, le succès. Le succès peut t'amener dans la tombe. Comme il y a plusieurs personnes, le succès a amené dans la tombe. On a accusé de vivre, mourir jeune, tout. Non! Tu rentres avec ton argent au Cameroun, tu peux donner la bière aux gens, tu t'amuses, on t'empoisonne. Et ce que dit chaque temps mes petits frères de Mbanga et de mes soeurs, quand vous rentrez, faites attention. Faites attention. Ceux que tu ne fréquentais pas hier, ceux qui n'étaient pas sympas avec toi, ne peuvent pas acheter la sympathie. Pourquoi tu peux acheter la sympathie? Mon ami, quelqu'un qui ne t'a jamais aimé ne t'aimera jamais. Ça ne sert à rien. Ne peux pas là-bas pour payer ta propre mort, mon frère. Le succès détruit les gens. L'homme qui n'a rien peut dormir dans la rue, on ne l'observe pas. On s'en fout de lui. Rien ne peut l'arriver. Toi, va dormir dans la rue. On regarde ta chaussure, on regarde ta chemise, on regarde ton pantalon, on regarde tes lunettes, ta casquette. Donc c'est le problème, c'est le pourquoi quand il voit, il n'y a pas souvent certaines maisons, devant certaines maisons, souvent tu pars en visite à un ami, il a trois voitures, mais c'est lui qui dort seul, il n'a pas de gardien. Mon frère, il parle que le gardien peut empêcher, hein? Le gardien peut empêcher que tu comptes ta graisse. Mais au moins, quand il y a l'odeur de quelqu'un quelque part, ça fait quand même, c'est dissuasif en fait. Moi, je ne comprends pas, tu vois. Mon frère, le succès appelle beaucoup de problèmes dans notre vie. Tu ne comprends pas ça. Le succès nous appelle beaucoup de problèmes. Quand tu n'avais rien dans ta famille, on ne connaissait même pas ton nom. Depuis que tu as le succès, là, les gens te regardent. Donc, fais attention. Fais attention. Ton succès peut te détruire. Comme notre journaliste. Ce n'est pas un... Voilà. Comme notre journaliste. C'est pas une question d'argent, non. Il peut même toujours avoir l'argent. Mais la renommée, c'est où? Ceux qui lui faisaient confiance. Ceux qui étaient loyaux en lui. Il serait devenu dégoûtant. Pour ceux qui ne savent pas faire part des choses que non. C'est comme moi. Il peut être rejeté. Mais autre chose, je vais dire que mon frère laisse. Je peux me dire un jour que c'est comme moi. Je veux que ma fille fasse le journaliste. Ou bien, voilà. Je pourrais dire que bon, je vais confier ma fille là-bas. Mais j'aurais peur. J'aurais peur. Qu'il peut récidiver. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc faisons beaucoup attention dans la vie de notre succès. On devient bizarre. Et souvent, ça ne vient pas souvent de nous. Souvent, la majorité des temps, ça vient des autres. C'est les autres qui nous attirent là-bas. Non, tu sais que tu es un grand journaliste. Bon, mon ami, je vais t'amener là-bas. Je vais t'amener dans telle maison. C'est comme la sorcellerie. Beaucoup de gens qui entrent dans la sorcellerie. Ce n'est pas à partir de leurs premiers millions. Hein. Non, non, non. Quand il se debout là, il n'y a pas la sorcellerie dedans. Je vous jure, nom de Dieu. Je me souviens, non? Beaucoup de personnes que vous voyez là, 95% au départ, ce n'est pas la sorcellerie. Ils sont vraiment millionnaires. Mais c'est avec le temps, les difficultés de la vie. Ils croient que ces millions doivent rester quelque part, stagnant. Non. Pourquoi? Tu commences à vivre un style de vie, tu commences à dépenser assez. Et quand ton âme commence à finir, tu crois que non, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de sonder ton argent. Tu commences à aller chez les marabouts. En partant chez les marabouts, tu tombes sur, d'abord, comme il n'y a pas d'avoir un bon marabout, tu tombes sur un mauvais pasteur, il te dépouille. Tu tombes sur un marabout, il mange ton argent, il te détruit. C'est comme ça que tu finis par recommencer. Ou bien il te fait entrer dans une secte. Pourquoi? Parce que tu as cru que non, ton argent devait démarrer. Comme je suis un millionnaire, je ne travaille plus. Au lieu de continuer à travailler. Au lieu de continuer à travailler, parce que tu étais pressé. Tu es pressé. Et c'est ce qui arrive à tes frères.
C'est un garçon qui s'est battu. Il a roulé sa bosse. Il a roulé sa bosse. Voilà. Un peu d'orgueil a commencé à arriver. Pourquoi? Parce que tu marches avec certaines personnes, on te dit non, on ne peut rien te faire. On ne peut rien te faire. Vous voyez, il est parti à Vision 4. Non, est-ce que c'est de ma faute si je suis... Si je suis un mignon, si je suis séduisant? Non. Non, gars. Et voilà. Voilà la vérité. Et c'est comme ça que ce pays doit être gouverné. Dieu est en train d'entrer dans nos esprits. Dieu revient déjà au Cameroun. Voilà. Dieu revient déjà au Cameroun. Voilà ça. Tu peux regarder toi-même, tu t'enfonces. Vision 4, tu commences à t'enfoncer. Tu commences à t'enfoncer. Et apprenant à vous taire avant de prendre position, même si c'est ton frère, même, tu peux aussi te détruire en voulant supporter quelqu'un. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause des autres. Voilà Benji de Benjo, non, le voilà. Peut-être qu'il risque de perdre son travail à Canal 2. Il y a plusieurs télévisions, mais il y a les places, il y a les endroits où on se sent mieux. Donc avant de soutenir certaines personnes-là, faites attention. Voilà. Faites attention. Je prends un exemple. C'est comme l'oncle de Didier Arafat. Je prends un petit exemple. Il y a les gens que, tellement ils sont dans les réseaux sociaux, ils veulent qu'on dise que non, c'est eux les premiers à publier ça. Non, mon frère, je m'en fous. Je peux attendre même demain, même après demain, s'il y a une information. Je ne cours pas. Je ne suis pas à la recherche pour te dire que non. Je suis au niveau où je vais être du bon côté. Je suis à la recherche de la vérité. La vérité peut attendre que ce soit demain, que ce soit après-demain. Il ne sert à rien d'être malade, aller dans un hôpital. On te jette la piqûre. Peut-être on te jette la piqûre du palu alors que tu as que la jaunisse. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si tu as le diabète? On te injecte la piqûre du palu alors que tu as le diabète. Ça sert à quoi? Moi, je ne cours pas. Il y a des gens qui sont toujours en train de rechercher. Non, c'est moi le premier à publier. Après, ils se retrouvent dans les problèmes. Avant de soutenir les gens, mon ami, fais attention. Ce n'est pas la guerre. C'est de comprendre que non, ce que j'ai fait là, c'est bien. C'est comme certains artistes. Non, je soutiens. Aujourd'hui, vous voyez. Voilà. Le gars a tellement souffert dans sa vie. Il parlait des choses, même dans certaines vidéos, qu'à l'école, il était repoussé par tout le monde. Il était repoussé par tout le monde. Il vivait même avec une fille et il croyait que c'était sa copine. Il faisait tout avec la fille jusqu'au jour où il a dit, chérie, passons à l'acte. La fille a dit que jamais, je ne peux jamais sortir avec elle. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut la revanche. Faites attention. L'histoire de ce monsieur doit nous servir de leçon. Que la vengeance ne paye pas. Aussi. Parce que vous êtes souvent là où vous riez. Non, comme les Africains, on est tous en train de rire. Qu'est-ce que tu profites quand tu vois un problème? Quand il y a une situation, qu'est-ce que toi tu profites? C'est le temps pour toi d'aller dans ton téléphone, efface toutes les vidéos que tu as faites. C'est le temps pour toi d'effacer toutes les vidéos. Mais oui, c'est le temps pour toi d'effacer toutes les vidéos. Et comprends que non, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Et que la vengeance ne paye pas. On connaît les gars quand ils rentrent au Cameroun, le problème. C'est qu'un Bengui s'est venu au Cameroun chercher toutes les petites filles du quartier et toutes les petites filles de la ville. Il veut se venger, mon gars, je ne suis pas là pour me venger. Mon ami, il y a les gars que j'ai moi. Vrai. Il y a les gars que quand j'étais jeune, il y a les gars moi jusqu'à. Hein? Mais quand tu parles, elle dit non, moi je te fuis, moi, je veux pas les problèmes. Non, non. Je te fuis. Je n'ai rien contre toi. On reste les meilleurs amis. Mais je te fuis. Je veux pas les problèmes. Mais il y a les gars que non, quand ils rentrent là, non, pour eux, c'est chicoter tous les petits filles qui le barraient. Tu vas prendre ta part là-bas. Tu vas prendre ta part. Tu vas prendre ta part, Njo. Tu vas prendre ta part. Tu vas prendre ta part, Njo. D'autres jeunes, tu as souffert dans ta vie. Fils de pauvre, tout, tu as souffert. Et puis demain, une fille que tu draguais depuis 10 ans, elle n'acceptait pas. Depuis là, de 20 ans, elle n'acceptait jamais. Subitement, un matin, tu rentres parce que tu as garé ta Mercedes. Elle dit que je t'aime. Non, tu sais qu'à l'époque, vraiment, mon ami, c'est parce que tu n'étais pas son niveau. Aujourd'hui, elle n'est pas ton niveau. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Yeah! Tu n'étais pas son niveau. Aujourd'hui, elle n'est pas ton niveau. Tu avances. C'est clair. Toujours vouloir retourner en arrière. Et voilà. La vengeance. Il dit ceci qu'à l'école, les filles le barraient. Aujourd'hui, dans la société, il est un homme. Mais mon gars, tu as là ta femme et tes enfants, man.
Mais attendez, mais cherche. Utilise d'autres manières, non? Il y a les manières normales. Hein, pour savoir même une deuxième femme, pour savoir des copines. Surtout pas des gamines. Pas des gamines. Je ne suis pas vous parler, je suis en train de développer. Je m'adresse à certaines personnes. Il y a même des filles ici dehors. Tu étais au quartier, les hommes ne te regardaient pas parce qu'on disait que tu étais vilaine. Au lieu de tu as la honte, tu te mets à payer les hommes. Commence à payer les hommes. Bâtis une vie, ma soeur. Bâtis-toi une vie. Va retrouver l'homme qui t'aimait quand tu étais dans ta vilinité là. C'est lui là, va ton vrai mari. Là où tu pars là, tu vas mourir. Là où tu pars, on ne t'a jamais aimé là-bas. C'est parce que tu es aujourd'hui une benguise. Parce qu'on voit beaucoup de benguises aujourd'hui qui restent. Tu vois une fille vient au Cameroun. Quand tu la vois, mon ami, cherche ta dose. Cherche ta dose. Cherche, va retrouver l'homme qui t'a toujours aimé. C'est un peu comme une grande soeur de Mbanga. Elle quittait chaque temps la France. Elle venait au Cameroun. Elle faisait quelque chose à un gars. Elle dit que ma chérie. Le gars, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas aller ça. Tu sais, moi, je ne parle pas toujours. Je ne suis pas un traître. Mais tu souffres beaucoup. Jusqu'à tu vends ta maison. Elle dit que non, non. Yes. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Elle a perdu. Près de 25 ans de Paris. Ça sert à quoi? À cause d'un homme. Pendant ce temps, l'homme qui t'aimait depuis ton enfance est toujours là, il court derrière toi. Non, non, mon gars. Faut arrêter ça, les gars. Le succès, là, ça détruit. Le succès détruit beaucoup de personnes. Le succès. Regardez, j'ai vu l'autre jour, quand tu ne connais pas orienter ton succès, l'artiste, là, on l'appelle qui, là? Jombos@yahoo.fr. Voilà les effets du succès. Le succès nous prend la tête. On pense qu'on peut tout faire. Non, mon gars. C'est pas parce que tu es milliardaire ou un artiste que tu es tout permis. C'est pas parce que tu es un grand chanteur comme Arafat que tu ne peux pas faire l'accident. La mort des uns, de certaines célébrités, ou bien quand ils sont dans les problèmes, doivent nous servir de leçon. C'est comme moi, j'ai pensé commencer à faire la moto. Mais la mort de Didier Arafat m'a fait comprendre que non. Ben, t'es dans la voiture. Voilà mon scooter, l'autre jour. Mon fils a failli perdre sa vie. Voilà, ça s'est détruit. Mon fils a failli perdre sa vie à cause du scooter. La voiture, au moins, c'est bien. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas de carrosserie, mon frère. C'est clair. Moi, j'aime la moto, les grosses motos, j'adore. Mais ça me sert de leçon. Parce que même si tu te sécurises, ça dépend des chocs. Ça dépend des chocs, mon gars. Donc il faut que tant que certaines personnes ont des problèmes, que nous, ça nous serve de leçon. Et arrêter les pratiques qui sont dans notre tête. Parce que nous tous là, parfois nous sommes tentés de vouloir faire certaines choses. Mais quand nous voyons quelqu'un en train de subir comme aujourd'hui là, regardez, tu peux construire une vie pour te retrouver aujourd'hui en train d'être déchiqueté partout là. Tous les contrats sont annulés. Pour tous ceux qui ont vu Canada l'autre jour pour la fête de musique, vous l'avez vu, non? Pour tous ceux, il n'y a rien qui dépasse l'humiliation. Il a dit qu'il restait debout, non, non, il ment. Il sera assis. Il sera assis. Il sera assis. On a supprimé toutes ces interventions. J'ai vu à Canada l'autre jour qu'on a donné le micro. Vous le voyez bien là. Mais après, un moment, il a disparu. Ça veut dire qu'on a supprimé toutes ces intentions, tous ces passages. L'autre jour, à Canada, à la fête de la musique. Voilà l'humiliation. Comme j'ai souvent dit, Dieu va t'humilier en public. Dieu n'humilie personne en cachette. Jamais. C'est la seule chose que moi, j'aime Dieu. Dieu t'humilie en public. Dieu t'humilie en public. Dieu t'élève en public. Dieu t'humilie en public. Le jour de ton élévation, c'est devant les hommes. Le jour qui va te rabaisser, là, le jour qui va t'humilier, c'est devant les hommes. Rien ne sera caché. Rien ne sera caché. Et pour les initiés, là, comprenez que voilà. Certains gens, quand ils ont le succès, pour eux, c'est chercher la femme des gens. Mon ami, tu ne vas que caler. Tu vas caler, tu vas perdre tout. Mon frère, il y a beaucoup de filles, les filles là dehors, là, libres, qui veulent être même troisième femme, même deuxième femme. Mais toi, tu cherches deuxième femme, troisième femme. Ne cherche pas la femme des gens. Les femmes sont libres. Les femmes sont nombreuses plus que nous. Va chercher les femmes libres qui sont là nombreuses. Bête, non, la femme qui est libre te piège. Pas de partir chercher les petites filles. Pas de partir chercher les petites filles. Avec cette pratique, non. Mes femmes, ça là. Tout le monde, mets ta vidéo. Mon gars, moi, tu vous dis non. Le papier, c'est l'argent, c'est le papier. Avoir ça, c'est rien. Mais les dégâts que ça peut te causer, non. L'argent te cause les dégâts plus que la pauvreté. Le pauvre n'a pas un problème, mon frère.
Regardez même l'argent. L'argent crée les dégâts. Regardez, toi, vous partez. Bon, toi et le malade. Toi et le pauvre, allez à l'hôpital. Toi qui as l'argent et le pauvre, allez à l'hôpital. On prescrit quoi aux pauvres? Il faut bien manger. Monsieur, vous avez des problèmes? Il faut manger bien. Voilà tout ce qu'on prescrit aux pauvres. Voilà tout ce qu'on prescrit aux pauvres. Manger bien. On ne dit pas que manger est équilibré. Regardez le riche. On prescrit aux riches. Quoi? Monsieur, manger équilibré, vous avez plus le poids. Non, mais c'est comme ça. Mais oui. Donc même regardez, mais ça veut dire que même l'argent que nous on cherche là, nous crée des problèmes. Même l'argent qu'on cherche, nous crée des problèmes. Regardez le pauvre et le riche qui vont à l'hôpital. Quand le pauvre va à l'hôpital, on lui prescrit, monsieur, mangez bien. On ne dit pas que manger équilibré, non, ça ne sort jamais. Monsieur, il faut bien manger. Le riche, manger équilibré, faites du sport. C'est pour dire quoi? Le succès, l'argent commet trop de dégâts. Regarde, moi voici, je ne mange pas. Je ne suis pas milliardaire. Mais regardez l'homme. Il faut que je bagarre. Il faut que je bagarre pour que le ventre fuit. Je dois bagarrer pour que le ventre fuit. Donc les gars, faites beaucoup attention. Que l'histoire de notre frère, que ça serve de leçon à plusieurs de jeunes qui aspirent à réussir. La réussite, c'est autre chose. Mais gérer sa réussite, c'est encore autre chose. La réussite, c'est autre chose. Mais gérer sa réussite, c'est autre chose. Il y a des gens que tant qu'ils ont la voiture, ça ne peut pas rester deux jours au sol, trois jours au sol sans sortir. Il faut que tous les jours, on les voit dans la voiture. Mon ami, apprends parfois à marcher à pied. Oui, tu n'es pas né avec la voiture. Il faut comprendre ça. Tu n'es pas né avec la voiture. Mais oui, apprends parfois à marcher à pied. Il y a des gens que le succès les rend aveugles. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils ne dorment pas à la maison. Non, mon frère. Les cas paraissent faire ce que tu rends chez toi, non? Tu sers ta femme, tu l'embrasses, vous dormez. Et que oui, la vie là, vraiment, c'est facile de tout perdre en un instant. Ah oui, c'est facile d'être humilié. Humilié. Toi qui recherches la gloire, là, tout le monde te voit parce que tu es très haut. La gloire te met très haut. Le succès te met très haut. Tout le monde te voit en haut, non? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu as les problèmes, pourquoi tu dis que c'est ta famille qui doit connaître ta valeur? Non! Ta famille seule ne connaît pas ta valeur parce que tu étais un grand. Tu as le succès. Le succès est en haut. Et c'est pourquoi le jour où tu descends, tout le monde te voit que, hé, Nana Manda de forme. Oh oh, Nana Manso. C'est ça la vie, mon frère. Le succès. Le succès, non. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui refusent d'être leader. Ah oui, il y a des gens qui refusent d'être leader, non, non. Il ne veut pas lui. Parce qu'il y a les pièges dedans. Il y a les contours dedans. Il y a des choses. Il y a des choses, mes chers frères et sœurs. Donc faites beaucoup attention. Le succès peut te détruire ta vie. Est-ce qu'on te dit que eh, c'est encore moi ici là? Non, non, non. Il a dit qu'il devait rester debout, non? Regardez comment l'humiliation à Mondovision. Attends là, d'un moment, tac, vous avez vu là le micro. Après, on coupe le passage là-bas. Après, on coupe le passage de Canada. Vous voyez là le micro. Il veut parler. Et vous allez voir que c'est la fille ici là, c'est qui faute ça là? C'est elle qui s'est entêtée à peut-être vouloir jouer le bras de fer. Le sponsor, on a dit que monsieur, toi tu ne passes pas. À Mondovision, lui croyait que c'est une affaire que. C'est pourquoi on dit il y a les gens qu'on ne touche pas. Il y a les gens qu'on s'attaque pas à eux. Moi je m'attaque pas à tout le monde. Non, 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 non. Il y a les gens qu'on s'attaque pas à eux. Elle est là dans la rue, non? Tu dis que non, c'est une pauvre bordel. C'est une pauvre prostituée. Mais l'esprit que l'enfant, la prostituée là, a là. Toi, tu n'as pas ça. Les toits que la prostituée a là, tu n'as pas ça. Même dans certaines familles, il y a les enfants qu'on n'attaque pas. Tu attaques sur le début de ta fin de carrière. Il y a les gens qu'on n'attaque pas. Il faut que vous compreniez ça. Ouais, parce qu'il y a un qui pense que non, la vie n'est pas simple. Nous sommes nés même. On est, mais nos missions sont différentes. Il y a des gens qui viennent sur terre pour démanteler les mauvaises personnes. C'est par lui qu'on va découvrir que... Hey, donc le gars, si qu'on croyait que c'était un garçon qui était bien là, ah, donc c'est lui ici là. Mais oui, c'est comme ça. Donc c'est pour dire quoi, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. On ne s'attaque pas à tout le monde. Alors, on ne parle pas des miettes, hein. On parle des pratiques pareilles. Donc ce n'est pas sur tout. Il y a même des gens qui vous disent que oui, je suis là. Mais quand tu sais que ce que tu veux faire là, c'est une mauvaise chose, ne fais jamais. Je me souviens à l'époque quand nous étions petits en Bangui, nous étions les jeunes petits délinquants. Mais oui, vrai, il faut dire vrai. Il y a les bains qui venaient souvent acheter les mangues, tout et tout.
Tu vois, peut-être on reste en Doum là-bas, on s'assoit, on dit à un gars que bon, donne-moi ton argent, on va aller t'acheter la mangue. Peut-être on prend 5 000. Après, on disparaît. Mais je vous dis bien que les 5 000 là, t'es fait, tu es obligé de dénager. Tu ne sais pas ce qui arrive. Pendant que tu es en ville en train de boire une bière, là où tu es assis là, c'est le gars que tu as pris son argent en Doum, au champ. Tu as pris son argent. Souvent, le gars vient te trouver dans ta chambre. Tu te demandes, mais qui l'a monté ta maison? Alors que tu as pris son argent à 4 km de Manga. Alors que tu as pris son argent à 4 km de Manga. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a des gens qu'on ne s'attarde pas. Donc, voilà. Mais dans un vrai pays, on doit chercher à savoir, à rencontrer cette Malika-là. Qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Parce que ce n'est pas partout le monde qu'on passe pour démanteler un réseau. Dans d'autres pays, elle commence à être considérée. On l'utilise. Ça veut dire qu'elle a quelque chose en elle. Mais comme certains idiots m'ont dit, non, ah, c'est une fille, elle est têtue. Mais elle est têtue comment? Vous connaissez ce qui veut dire l'argent, la famine? Vends ta famine à point de rêve. Que ça te fait que tu comprennes aujourd'hui que non. Il y a des gens qui ont faim devant toi. Mais en réalité, ils n'ont pas faim. Et que ne t'hasarde pas de vouloir utiliser ta position, ton succès, ta réussite, pour vouloir les utiliser comme des choses à tes fins. Tu vas payer le prix. Il y a des gens qui te disent qu'ils ont faim, donne-leur à manger, tu passes ta route. Il y a des filles, elles te disent que j'ai soif, donne-lui à boire. Ne lui donne pas à boire pour l'amener au bar, pour l'amener dans ton lit. Je te jure que tu vas trouver malheur. C'est clair. Tu vas perdre plus que ça. Faites attention. Et que ça nous serve de leçon. Que ton succès, toi, enfant de pauvre, que ça ne fait pas de toi une personne que tu penses que non, je vais marcher avec le ministre, je vais marcher avec l'enfant du milliardaire, celui-là, je dois aussi faire comme eux. Mon ami, connais où tu sors. Il faut apprendre à connaître où on vient. Quand tu connais où tu viens, tu n'auras jamais loin. Moi, je n'ai pas d'amis. Voilà. La seule personne que je rencontre parfois, c'est celui que vous connaissez. Je n'ai pas d'amis. Parce que quoi? Et avoir le succès et laisser que les siens utilisent ton succès pour aller faire du tort aux gens, pour rendre la vie difficile aux gens. C'est aussi un problème. Je n'ai pas d'amis, pourquoi? Parce que en 2000, quand je rentre au Cameroun, mon premier problème, mes amis prennent ma voiture, ils partent commettre un accident. Et quand le policier les interpelle, la bagarre commence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent jeter les clés sur moi. Ils disent, mais oui, jeter les clés sur moi. Le policier dit que non, monsieur, c'est toi qui es au volant. Ce monsieur ne t'aime pas là. Il dit que non, sa voiture. Ok, il dit ok. Ouais, comment? J'ai barré ces amis. Parce qu'il y a des amis qui utilisent aussi votre succès, hein, pour rendre la vie difficile aux gens. Il faut dire, arrête-moi ça. Sinon, il prend son énergie où? Il prend le courage à partir de toi. Ça veut dire que Dieu va te frapper. Si tu ne dis pas, si tu fermes ta bouche, Dieu te frappe. Parce que Dieu t'utilise, même dans les familles, il y a des gens qui ont le succès et les mamans se comportent mal avec les gens au quartier. Tu te tais, le mal va te frapper. Dieu va te rabaisser. On connaît des gens que les petits frères, les petits se giflent les gens au quartier. À cause que, parce que non, mon grand frère tel, ma soeur tel, elle va venir payer. Refuse ce genre de pratique-là. Souvent, on vient te taquiner. N'est pas le frère de tel a fait telle chose, n'est pas on l'a laissé. N'est pas le frère de tel a fait telle chose, sa soeur est venue payer. Mon ami, dis-lui que tu ne suis pas celle-là. Le succès, on doit apprendre à orienter notre succès. Le succès comme une énergie. Si tu orientes ton succès dans les faussetés, dans les banalités, Dieu va t'accompagner là-bas. Dieu donne la force à chacun de réussir. Maintenant, quitte à toi d'orienter ta réussite. Mon ami, j'ai appris à vivre ma vie. Hein. Non. Attendez, mais dans ma tapis, dad. Attendez, mais dans ma job, dad. Voilà ma voiture. Mais depuis hier, je ne suis pas sorti. Depuis peut-être une semaine, ce n'est pas sorti. Depuis une semaine, non, je ne sors pas. Je sors à pied. C'est comme ça. Pourquoi? Je suis né avec. Hein, je suis né avec ça. Donc apprenons à vivre, les gars. Apprenons, faites beaucoup attention, les gars. Voilà. Apprenons beaucoup à vivre.
beaucoup de pauvres gars partent mourir à cause des enfants, Bobo. Que non, mon ami, c'est le fils du général. Mon ami, c'est le fils de ministre tel. Mon ami, c'est le ministre Tantan. Mon ami, laisse ça. Laisse. Tu n'es pas l'enfant du général. Et l'enfant du général, là, il est déjà sur le coup de la malédiction. Parce qu'il commet beaucoup de choses depuis les années. Son père paye. Maintenant, Dieu va t'utiliser pour démanteler ses fautes. Voilà. Ses fautes. Parce que c'est lui qui t'a amené dedans. Souvent, les enfants, les pauvres, ne sont pas habitués à faire les pareilles choses. Mais l'enfant des bobos, comme il marche à les mouna bobo, on l'induit en erreur. Donc pour moi, tu vas où? Tu vas où? Voilà. Non, tu n'es pas, tu ouvres le truc. Oui? Donc, je voulais oublier. Comment chercher les dos? Voilà, nous avons là le super love. Super love. Voilà, pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà, la super love d'app. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous savez que la faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, c'est la même chose. Voilà, tu as la faiblesse sexuelle parce que tu jouis vite. Ça veut dire, tu éjacules précocement. Donc, nous avons là, si tu veux en détail, voilà ça. Mais comme tu es à distance, c'est mieux. Bon, on a là le stock en France. On a le stock en Allemagne. Mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà le paquet. Super Love. Voilà. Donc, nous avons là les produits pour perdre le poids. Voilà, tu prends 3 boîtes. Non, c'est mieux de partir. Il faut laisser. Moi, je vais partir là. Je vais l'appeler. Donc, nous avons là. Tu prends 3 boîtes. De l'ulysulim. Voilà, ça te broie le corps. Ça te fait fuir le ventre. Vous savez, parfois, on n'est même pas tellement gros, mais le ventre là. Vous savez que le ventre, c'est le muscle le plus dur du corps. Voilà. Avec l'ulysulim, ça va faire l'affaire. Voilà. Plus 62, 812, 125, 244, 98. Donc voilà, nous avons là le produit pour la goutte. On a le produit pour la goutte. Voilà, tu as de la peine à fermer les mains. Voilà, tu as de la peine à fermer les mains. Hein, les articulations font mal. Ça veut dire que tu as l'acide urique dans ton corps. Ça va rabaisser l'acide urique. Ok? Ça va diminuer le niveau. Tu n'auras plus assez mal, quoi. Donc, voilà. Donc, appelez-moi plus 62 812 125 244 98. Nous avons là l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. On a l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches, ok? Tu branches comme ça, là. Et puis, ça refroidit les câbles. Ça ramène la chaleur dans la boîte, ici, là. Donc, c'est pourquoi quand vous branchez, après quelques minutes, l'appareil, ça chauffe. Donc, c'est une technologie allemande. C'est une technologie allemande. Donc, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, nous avons là le thermoflash. Donc, avec la nouvelle vague de Corona. Donc, voilà. Le thermoflash. Nous avons là l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone. Tu branches ton téléphone comme ça, là. Et puis, tu vois l'intérieur de ton oreille. Tu peux accrocher là. Tu peux enlever les saletés facilement. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a des gens qui pensent que non. Comme j'ai le succès, je me permets de faire l'amour avec ma bonne. Mon frère, ça t'arrive par où? Ça te passe par où? Appelez-moi plus 60. Appelez-moi plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Mon ami, il ne faut pas que le succès t'emporte. Voilà. Il ne faut pas que ton succès t'emporte. Alors, il m'adresse comme ça à certaines personnes qui pensent que non, j'ai le pouvoir, je peux sortir à ma bonne. C'est ta bonne là qui va détruire ta vie là. Dieu va passer par elle pour te dénoncer, pour te démanteler. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si c'est pour avoir le succès et faire des pratiques pareilles, monter sur l'homme, mais je reste pauvre. C'est ça la dignité d'un homme. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Que d'avoir le succès et avoir certaines envies qui ne sont pas du commun des mortels, mais je reste pauvre, mais on se moque de moi. Mais oui, c'est clair. Et est-ce que les gens me comprennent ça? Non. Je ne peux pas condamner cette fille. Non.
Tu ne peux pas condamner cette fille. Au contraire, elle nous a aidés. Au contraire, elle nous a aidés à démanteler certaines personnes. Les gens chez qui on avait confiance, parce qu'elle, on ne la connaît pas. Prenez ça au niveau spirituel, ne prenez pas ça au bas niveau. Prenez ça au niveau spirituel. Au niveau de Dieu, au niveau élevé. Vous allez comprendre. Cette fille est venue en mission pour démanteler cette personne-là. Oui. Voilà. Les petits gens m'ont dit, oh, elle a fait comme ça, c'est une tigre. Non, elle n'est pas tigre. Quand une petite personne, comme on parle, comme on dit, comme vous voulez la traiter, parce que pour moi, il n'y a pas de petite personne. Les petites personnes, parfois, l'esprit est grand. Il vient en mission. Elle est venue en mission démanteler quelqu'un à qui on avait donné beaucoup de confiance. Et comme Dieu aime aussi cette personne-là, à cause de cette personne-là, on a démantelé un groupe WhatsApp. Et que le groupe WhatsApp, on dit que ça s'appelle déconnons un peu. Voilà des gens qui ont leur succès, au lieu de pouvoir les orienter, leur temps passe, c'est pour faire des bêtises. C'est pour faire des bêtises. Donc, là, pour passer leur temps, ils font des bêtises. Ils font l'amour, ils font des vidéos. Et maintenant, là, le film s'arrête sur Malika. Donc, Malika, chapeau. Malika, chapeau. Ne te sens pas mal à l'aise. Non, non, non. Si toi, là, où est l'esprit de Dieu? Si toi, il y a Dieu. Si toi, il y a Dieu. Dans toi, il y a Dieu. C'est les petits gens qui vont venir là dire que non, la fille, c'est un homme. Non. Tu as démantelé les lions. Tu as démantelé les gens qui donnent la leçon de vie. Qui font des débats. Que quand ils passent dans les grosses voitures, les gens acclament. Les gens disent qu'ils ont réussi. Tu les as démantelés. Voilà. Et comme si elle est dans les grands pays, rien ne peut t'arriver. Et maintenant, pour moi, en réalité, que notre frère journaliste s'entende avec ses amis, cherchez même 100 millions ou donnez à la fille là. Ah oui, c'est comme ça. Vous croyez que DSK, la femme noire, la femme africaine là qui avait eu le problème avec DSK là, on dit que dans son village là, au Mali, elle a mis des forages, elle a conçu les écoles. Dans cette histoire, Malika doit sortir avec sa part. C'est clair. Les excuses, ça ne suffit pas. Vous devez changer la vie de cet enfant. Vous devez donner sa part. C'est comme ça que ça se passe. Même en France, même aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. On ne dit pas, on ne dit pas aux filles d'aller vendre leur corps et piéger les gens. Non. Celle-là, c'est vous qui l'avez piégée. Quelqu'un m'a dit, on ne parle, pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Paul Tuta? Non. L'affaire de Paul Tuta, j'ai parlé de ça depuis. C'est le gouvernement qui a pris la vidéo de Paul Tuta pour mettre dehors. C'est différent. Pour mettre dehors, c'est différent. Et mon conseil que je donne, arrêtez de garder certaines vidéos dans vos téléphones. Ah oui. Arrêtez de garder certaines vidéos dans vos téléphones. C'est mieux d'effacer. Dans le cas, Paul Tuta est différent du cas de notre frère journaliste. Voilà. Nos frères journalistes blaguent avec l'humanité, avec l'humain, avec le corps humain, avec la femme. Ce n'est pas une blague. Le corps de la femme, c'est pour se reposer. C'est pour un plaisir sacré, en fait. Ce n'est pas pour prendre, faire de ça comme un jouet et jeter là. Donc, regardez aussi. Et puis, vous avez voulu condamner l'enfant d'autrui. Aujourd'hui, elle vous a condamné. Parce que prendre la vidéo d'une innocente, mettre là. Parce que quoi? Ça veut dire qu'on tient certaines personnes. C'est pourquoi vous voyez, certains gens ne parlent pas fort. Pourquoi quelque part on les tient? On les tient. Voilà. C'est un peu comme l'histoire de l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Cameroun en France. On dit qu'on avait une vidéo de lui. Et c'est sûr qu'on a envoyé ça à ses supérieurs. C'est pourquoi on l'a rappelé directement. Et les gars ont dit que si tu ne rentres pas, voilà, on va balancer ça dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de céder. Donc souvent, là, vous voyez, certaines personnes ne peuvent pas parler n'importe comment parce qu'on les tient. Et c'est comme ça, à cause de cette vidéo-là, on fait le chantage à la petite fille d'autrui. Elle passe de tout le rôle dans chaque maison. Elle donne. Donc on manipule l'enfant. Ah oui, on manipule l'enfant. Par qui? Mais pas des vieilles personnes, pas des gens qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui ont l'expérience de la manipulation. Surtout quand ils ont une bonne position dans la société.
Les gens pensent que non, c'est facile. Non, c'est pas tout le monde qui arrive devant certaines personnes et qui sont debout. Hein. Ah oui, qui sont debout. Hein. Non, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a les gens qui se laissent aller. Hein. Que non, hey, c'est toi qui. Non, moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. On vient sur terre, personne n'est immortel. Je te respecte. Mais ça ne fait pas ce que je n'égare qu'assis devant toi. Je contrôle mon verre n'importe où je pars. Parce qu'on vit dans une société de gens malades. Et sur quoi je dis souvent mes petits frères, mes petites soeurs, apprenez à être éveillé. Il y a des gens avec qui on dort là. Tu t'amuses, ils te droguent pour te lécher. Et il y a des femmes avec qui tu dors, c'est ta copine. Mais elles te droguent, elles te lèchent. Il y a des amis avec qui tu dors, ils te droguent pour sucer ton truc. Ah oui, il faut comprendre ça. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Arrêtez de faire confiance à tout le monde. Le temps passe, les gens se distancient. Et les gens deviennent cruels. Makoud, tu es où? Il est où? Ah, ok. Donc voilà. Donc mes chers, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention le monde d'aujourd'hui là. Les gens sont devenus très cruels. Voilà. Et je vous dis bien que je marchais avec un ami comme ça là. C'est comment on me dit que lui là, il fait telle chose. Moi je ne croyais pas. Et constamment. Quand il me saluait, il faisait faux trucs dans ma main. Constamment, je le vois tous dans certains espaces. Moi, je ne croyais pas, je ne pouvais pas imaginer. Donc, c'est pour dire quoi, faites attention ici dehors. C'est un bien réflexe pour nous. Quand tu ouvres ton verre, même pour boire, il faut regarder comment tu as mis ça. Parce que le monde est devenu gâté. Voilà. Et que ton succès ne t'amène pas à désobéir les règles de la nature, mon frère, ma soeur. Sinon, tu seras dévoilé et ça va te broyer. On aura le succès, quand ça va te détruire, on s'en fout du nombre d'années que tu as pris pour avoir ce succès-là. Non. Le succès s'en fout, ça n'a pas pitié de toi. La pauvreté au moins est loyale. La pauvreté est fidèle. Voilà, la seule chose que tu peux dire que bon, je vais rester pauvre, même si ça vient à moi. Je refuse de quitter là. C'est la pauvreté. Il y a des gens qui refusent d'être riches. Donc tu lui donnes l'argent, il peut manger, il dépense. Voilà, il reste pauvre dans sa position. Pourquoi pas les amis? Il y a les amis que depuis que tu vois, il rentre. Pour le voir, il a son matango club. C'est là qu'il boit son vin. Il y a les amis que depuis que tu vois, tu es au Cameroun. Depuis que tu fréquentais, quand vous avez grandi, il a pris sa position. Il a commencé à devenir soula. Tu as eu ton concours. Tu es allé à Yaoundé. Tu seras déjà là. Quand tu rentres ma doigt là au quartier, quand pour le voir, il y a un bar là, il est loyal. On fait n'importe quoi, il est que loyal à sa pauvreté. Mais la richesse, le succès n'est pas loyal. C'est malin, tu t'amuses, ça te lâche. Ça te lâche, tout le monde te découvre. Et ça te lâche à cause de toi-même. Parce que tu veux mal l'orienter. Tu l'orientes par rapport à d'autres choses. Aux choses que lui-même, il ne se ressent pas dedans. Voilà. C'est un peu comme les voitures électroniques, les nouvelles voitures. Voilà. Comme la voiture que moi je connais. La Mercedes ML. Tout sa mémoire est qu'en bas. Quand l'autre touche ça, ça devient fou seul. Ça accélère seul. Ça fait des choses seul. Les phares commencent, les klaxons commencent à klaxonner seul. Ça trouble la mémoire. Donc le succès a des problèmes. Le succès aime l'ordre. La pauvreté n'aime pas l'ordre. Vous allez voir le pauvre lui mange ce qu'il veut. Il n'a pas de problème, il n'a pas de problème de mal de ventre, il n'a rien. Il ne tombe pas malade. C'est ça la pauvreté. La pauvreté est loyale. Non, ça n'a pas un problème. Tu prends tout, ça t'accepte. Tu bois telle bière, ça ne choisit rien. Mais alors que le riche choisit la bière. Il choisit la nourriture. Il choisit tout. Alors, ça veut dire quoi? Quand tu n'orientes pas ta richesse, le succès que tu as, non, il devient fou. Voilà, il devient fou. Et c'est le problème. Voilà. Beaucoup fais attention. Donc, c'est passé une bonne journée. Donc, voilà, passez une bonne journée. Ok? On est ensemble. Voilà, il y a le best-seller. Le best-seller. Super Love. Avec ça, tu peux t'aimer même 2 heures de temps sur l'anga. Ah oui. Le best-seller. Avec ça, tu dis sur la femme. Hein? Parce qu'il y a des gens qui tournent les règles la main, qui sont faibles aux fesses. Ça va t'aider.
Ça va t'aider, mon frère. Oh. Ma soeur, oh. Achète ça pour ton gars. Arrête d'avoir honte que non, je n'aime pas quand mon mari, tu mens, tu es hypocrite. C'est l'hypocrisie. Chacun a le droit de profiter de la vie. Chacun a le droit de durer. Chacun a le droit de jouir. Ma soeur, voilà un bon produit. Super love, best-seller. L'or, tu ris quoi? Est-ce que je mens? La pauvreté est loyale, non? Il y a des gens que depuis que tu connais, depuis les années, ils boivent son matango. Mais toi, tu bois ça, c'est le problème. Tu bois le whisky, oh, ça brûle tes lèvres. Voilà, ça brûle tes lèvres. Tu bois le champagne, oh, tu commences à avoir les maux d'estomac. Donc la pauvreté n'a pas de problème. Voilà, la pauvreté n'a pas de problème. Alors que la richesse a des problèmes. Voilà. La richesse, il y a des chaises que tu ne peux plus t'asseoir sur ça. Quand tu t'assois pour longtemps sur le tabouret, ton anus commence à te faire mal. Tu as les problèmes. À une certaine... il faut que tu dormes. Bah, tu ne dors pas, tu vas souffrir de migraines. Le pauvre, lui, ne dort pas, lui. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il fait 200 dormir. Il boit matin, midi, soir. Une semaine, 7 sur 7. Il ne part pas à l'hôpital. Mais toi, tu essayes. Tu as des problèmes. Ah oui, ah oui. Pour vous dire que quoi? Orientons notre bonheur, notre succès. Voilà. Parce que le succès, là, quand tu l'orientes mal, ça devient fou. Attends, tu ne comprends plus rien. Voilà, tu vas voir la maison, il y a le désordre. Tu comprends que ton gardien a enceinté ta fille. Parce que toi, tu n'es jamais là. Voilà. Ta bonne sort avec ton fils à la maison. Parce que tu n'es pas là. Parce que le pauvre, lui, n'a pas eu de bonne. Le pauvre n'a pas eu de bonne à la maison. C'est toi le riche qui a la bonne. C'est toi le riche qui a le gardien. C'est toi le riche qui a le chauffeur. Ça veut dire que si tu n'orientes pas tous ces gens chez toi, il y aura un problème. Ah oui, il y aura un problème. C'est clair. Tu dois être là pour orienter tes ouvriers. Tu dois être là pour orienter ton gardien. Orienter tes filles. Voilà. Dis à tes filles que celui-là, lui, c'est le gardien. Ok? Si tes propos tels, je ne dis jamais. Ne blague pas. Dis à ta fille que celui-là, c'est le chauffeur. Méfie-toi. Voilà. Celui-là, elle-là, c'est la bonne. Tu n'as rien à faire avec elle. Est-ce que tu as compris? Oui. Ok. Va à l'école. Terminé. Si tu n'es pas là parce que tu as l'argent, non, j'ai l'argent. Oh. Ah. Mon frère, tu vas voir, non? Tu vas confirmer d'assaut. Tu vas venir que le chauffeur a enceinté la première fille. Le fils. Tu vas venir que le chauffeur a enceinté la première fille. Le fils a enceinté la bonne à la maison. Le gardien aussi a fait ce qu'il pouvait faire. Sodomiser même, tout et tout. Et puis tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. Donc voilà le succès. Le succès a trop de problèmes. La richesse a trop de problèmes. Voilà. Alors que la pauvreté n'a pas de problème. C'est pourquoi il y a des gens qui préfèrent lui rester là. Il ne veut pas compter. Voilà. Il ne veut pas compter. Oui, les répétiteurs, hein, les mauvais répétiteurs. Ben oui. Donc, bigo à tout le monde. Ciao.